some say it was the most powerful movie of its day. Others say it is the best war movie of all time. But all agree on one thing. There's more to the story. Returned, recut, re-envisioned, reconstructed, with 47 additional minutes, as director Sam Fuller originally intended. Fuller's The Big Red One, The Reconstruction. Vous vous souvenez du film La Cage aux Folles, l'histoire d'un couple pas comme les autres qui vous a fait rire aux larmes. Michel Serrault et Hugo Tognozzi reviennent dans de nouvelles aventures pour vous amuser encore plus. La Cage aux Folles 2. Cage aux Folles 2. La Cage aux Folles 2. Pour les fêtes de fin d'année. On est en 1938, et ce bled, c'est Bourkassa-Urbangui. Ah non, c'est pas grand, Bourkassa.
À l'entrée du village, il y a un écriteau sur lequel il est marqué 1275 HA. 1275 habitants, autant d'habitants que d'âmes. Mais là-dessus, mon collègue Chavasson n'est pas tout à fait d'accord. Eh ben, les 1275, c'est en comptant les nègres. Et les nègres, ils ont pas d'âmes. Voilà. Sur ces 1275, il y en a 1270 qui sont, comme tout le monde, des salopards, des crapules, des macros et même quelques assassins. Tu fais éclater la tête! Mais c'est rien à côté des cinq autres. D'abord, il y a Huguette. C'est ma femme. Celle-là, elle m'aime d'une drôle de façon. Ah non, écoute pas ici. Bah, là-bas, t'as pas voulu non plus. Bah, ni ici, ni là-bas. Bah, où alors? Bah, nulle part. Et puis, il y a Nono. C'est son frère. Il y en a qui disent qu'il se ressemble pas tellement. Mais bon sang de moi. C'est ma chemise en cellulaire qu'il a sur le dos. Et en loque, par-dessus le marché. En loque, c'est vite dit. Puis il y a Anne. C'est la nouvelle institutrice. C'est la seule qui a compris ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait. Ça va pas, non ? C'est pas la première fois, un type comme ça, faut l'arrêter. Et il y a Rose. Rose, c'est ma petite amie. Elle est jolie comme un cœur. C'est lui qui m'a appris l'impolitesse. Moi, j'étais plutôt bien élevée avant de le rencontrer, hein, ce cochon de putassier de malheur. Et puis enfin, il y a moi, Lucien Cordier. Je suis le chef de la police de Bourcassa. Touche pas mon fusil! T'as plus besoin de ton fusil. J'ai mon permis de chasse. T'as plus besoin de ton permis de chasse non plus. Et si je viens traîner mes grolles par ici, comme tu dis, c'est parce que c'est le chemin pour aller voir ta femme. Et on va pas tarder à se mettre au lit tous les deux. Et elle va me donner à moi ce qu'elle t'a jamais donné, pauvre con. Bouge pas! Salon. Tout ça, c'est notre capitale. Et moi, je l'exploite. J'ai été élu pour ça. La vérité, tout de suite. Il est mort. Mais moi, ce soir, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Je vous jure, sur la tête de ma fille, que je ne suis pour rien dans ces meurtres. Qu'est-ce qui vous gêne dans ma question, monsieur Malherbe? Je n'aime pas votre manière de filer votre nez partout, Salmon. Mais qu'est-ce qui te fait si peur? Mais vos conneries à tous! Ça vous ennuierait de nous suivre à l'hôtel de police? Vous pensez vraiment que je l'ai tué? Je n'ai rien à dire sur Régine. Régine est morte parce qu'elle savait qui a tué Madame Graven. Vous parlez trop salement et vous dites des conneries. Le total fait que vous êtes un homme dangereux. Ça n'est pas très facile, n'est-ce pas, monsieur Salmon, de venir dire à une femme que vous soupçonnez son mari d'avoir commandé un meurtre. Je te jure que c'est pas moi qui l'ai buté, la vieille. Maintenant, si Morel met la main sur celui qui a fait le coup, moi je vais l'embrasser dans sa cellule avant qu'on me guillotine. J'ai besoin de votre témoignage, Hélène. J'ai brûlé le cahier de Mathilde, Daniel. Maintenant, je vais jurer que je ne sais rien, que je ne vous ai rien dit. Je vous le demande d'homme à homme. Qu'est-ce que vous avez découvert? De toute façon, je ne connais pas le nom de l'assassin. Selon vous, monsieur Salmon, la ville est coupable. La ville? C'est nous? C'est nous tous ici, à cette table? La vérité, c'est que vous avez peur comme les autres. Toujours des gens comme nous qui trinquons. Je rends toujours ce qu'on me donne. La vie va devenir difficile pour vous, Salmon. Et en ce moment, je manque de personnel pour assurer votre protection.
Allez, viens. Non. Non. Mon mari et moi, nous sommes très heureux, monsieur Terrier. Nous formons un couple uni. Putain, mais t'es folle ou quoi? Mais tu vas arrêter de nous emmerder, oui? Tu veux me raconter ta vie maintenant? Non. On m'a pris mon pognon, j'ai besoin que tu me trouves une plante. 1 milliard. Ça vous intéresse? Mon fric. Conneries. Allez, habille-toi, on s'en va. Et fais gaffe. Je te plais. Oui, tu me plais. J'ai oublié de vous dire, n'attendez pas devant. Le personnel sort par l'entrée des artistes. La porte au fond. À quoi je reconnaîtrai? Allez là, ta conne de fille, essaie de la reconnaître. Bonne chance, Madeleine. C'est des conneries, tout ça. Mon père était un gynéco réputé, mon père était un grand pianiste aveugle, mon père était un architecte génial, mon père était quoi encore? Vous ne prendrez pas ma fille. Et puis d'abord, qu'est-ce que vous avez fait pour elle, hein? Pendant que je trimbalais les gargantes dans les secous de Monte-Carlo, que je me coltinais les valises de Jerry dans les fougères, hein? Qu'est-ce que vous foutiez? L'œil. Ce sont les gens de la pègre, les individus des bas-fonds qui l'ont surnommé l'œil. Germaine, tu veux encore faire des conneries? Qu'est-ce que tu veux qu'elle écoute, Germaine? Elle est sourde, Germaine! Elle est morte! Morte! Ceux qui font des trous dans le mur, ils existent que si on décide qu'ils existent. T'es toujours là, mon vieux? Je suis là, Marie. Thank you.
1938 was the year of appeasement, a year when France and England capitulated to Hitler's territorial demands. It was a year when Nazi and Italian fascists helped General Franco overthrow the democratic government of Spain in a bloody civil war. A year when the French people formed uneasy alliances in an effort to halt the fascist threat. It was a year when whispers and shadows dominated everyday life. It was the lull before the storm of war. I'm going back to my unit tonight. Great, now you're going to be killed. I'm looking for my fiancé. His name is Jean Blomard, and he's in the 42nd Division. Who is this man? A relative? A boyfriend? No, he's just a friend. If you could help, I'd really appreciate it. It'd be wonderful. Did he have anything to do with my being released? He only did it because I asked him to. He's in love with me. Well, they think I'm a collaborator. You tell him to get me a job. Something dangerous, something against the Germans. The object is to get a gun into the Hotel Meurice. How do I carry the gun in? The Germans don't suspect you. They think you're someone they can trust. Today you'll have to wait while we telephone. Well, that's not necessary. He's expecting me. I must turn you into the Gestapo. If I don't, I'm helping Blomart, saboteur, an enemy of my country. Let's get out! You used me, didn't you? The Blood of Others. An epic story of romance and war from Orion Pictures and Prism Entertainment. Ton professeur avait raison. Tu es né pour être peintre. Maggie Lunel, vous êtes très célèbre comme artiste. Quand je te peins, Maggie, il y a comme une lumière qui émane de ton corps. Il est à toi. Je te le donne. Je veux devenir peintre. Pendant mes années folles ou sages, pour quelqu'un qu'on ne met pas en cage, c'est un beau cadeau, l'amour en l'air. J'ai perdu toute ma fortune, nous n'avons plus que ta peinture maintenant. Vous n'êtes compte à rendre à personne. Je ne me sens moralement engagé qu'envers mon travail. Pour faire un bon poulet au vinaigre, prenez un poulet authentique. Je suis flic, officier de police Lavarda. J'ai une poule chez moi d'ailleurs. Il y a un flic qui vient d'arriver pour enquêter. Police judiciaire. Un poulet est pas trop nerveux. Vous avez pas le droit. On peut tout, mon petit gars, quand on est de la police. C'est tout ce que t'as à me dire. Un poulet plutôt tendre. On se repose une seconde. Une pincée de folie. Il n'est pas devenu fou, Louis. Vous êtes un fou. Ça fait peur, Louis. Ces gens-là sont fous.
méchant. Saupoudré d'agressivité. Ajoutez 2 cuillerées de mystère. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Tout déglacé avec un brin d'érotisme. Ça peut pas être une histoire de cul. T'es un ange. Laissez mijoter dans le suspense. Tu veux la guerre ? T'auras la guerre. Sans oublier le vinaigre. Edda. Delphine a disparu. Qu'ils crèvent tous. Ça va mal se terminer, tout ça, je te préviens. Elle est morte, maman. Elle s'est tuée. Aide deux. Mais chut. Les loups pourrissent de l'intérieur. C'est une recette secrète. Ne dis rien, Louis. Ne dis rien, Louis. Je vous piégerai, je vous préviens. Parce que je sais voir clair, moi aussi. Même la nuit. Et servez chaud. Bon appétit et régalez-vous. Ikke frisk. Mine fisk ikke frisk. For 2 minutter siden svømmede de ud i vand. Hvor med jer? 30 skilling. 20 skilling. 30, madam. Brød. Brød. Lægges i blød. Peu de bière, lidt øl. Øllebrød. Øllebrød. Oui, oui. C'est toi que j'aime, ton cœur et mon cœur même, et l'amour nous unira. Seigneur tout puissant. Ja, vous ne dites rien. 10 000 francs. Jeg kan ikke engang sige, hvad jeg får at drikke eller spise. Hvad må der skal ske med os? Ja, vis os din bamier. Jeg har gennemskuddet dig, Christoffer. Falsk er du. Halleluja. Der er jeg dit. Det her er bestemt Vøbelig Kå 1860. Jeg tror bestemt, vi får sne hele dagen i morgen. Thank you.
Turn Paris upside down. This is your last chance, Doctor. She's very dangerous. Get off me! You're an animal! It's Sam to pay. He was afraid to operate on living flesh. Living flesh? Les fesses, connard! Pornographe! Taré! Taré! Ah! Tu veux parler du sexe? Au scandale! Ça tente ta bite! Arrêtez-le! Arrêtez-le! Dépravé! Taré! Taré, bah! Taré! Hé, mon père, qu'est-ce qui se passe? C'est Mocky qui fait encore un film! Mocky? Oui! Non, c'est pas vrai! Si! Mais un film sur quoi? Sur le cul, mon fils! Oh, le saligon! Il a osé! Hé! Attendez-moi! 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 Faudra lui arracher les yeux! Et lui bouffer les couilles! Oh oui! Moi! Moi! Mais non, il y avait bien une scène de sodomie dans le film! Je sais pas, en tout cas, j'ai vu deux gants qui s'en mangeaient comme des bêtes! Il y avait deux lesbiennes, dis donc! Il paraît que deux frangines se dégustaient la cause trésor! Oui, mais il assassine la société, le salaud! Mais ouvre-moi! Ouvre-moi, ils vont me tuer! Je vais pas me faire lyncher pour tes conneries, Jean-Pierre, écoute! Mais tu es le producteur du film! Nous voilà là-bas! Zeilen eines verbotenen schwarzen Buches. Alan, ein junger Wissenschaftler, schlägt es auf. Damit beginnt für ihn eine magisch-mysteriöse Reise in eine Welt des Schreckens. In das Spider-Labyrinth.
Suche nach dem Unbegreiflichen wird diesem Mann zum Verhängnis. Die überwältigende Macht des Bösen wird zur tödlichen Realität. Roland Vibecca, Paolo Rinaldi, William Berger und Stéphane Audran in Spider-Labyrinth. L'Himalaya, la demeure des dieux, cache un secret. Le mystère qui hante une petite fille, Manika. Bien, nous allons aujourd'hui parler des villes saintes comme Varanasi, quelquefois appelée Benares, et Hardward, et Rishikesh. Oui, Manika? Il y a une autre ville, Jullicott. Et d'où sais-tu cela? J'y ai vécu avant. Je t'écoute, dis-moi ton secret. Cette nuit, j'ai revu Jullicott. J'ai vu le fleuve Bagmati et les deux grands temples, avec l'Himalaya loin derrière. Tellement attendu. Je veux rentrer chez moi. René, cette fois je sais qu'il s'agit d'une réincarnation. Tais-toi. Tu m'inquiètes sérieusement, tu perds la raison. Le fait que tu n'y crois pas ne rend pas cela impossible. Excusez-moi mon père, mais pour les hindous, la notion de réincarnation est loin d'être une fumisterie. C'est une vanité. Ah non, c'est une bénédiction. Je m'appelle Lakshmi. Je te dis que tu n'es plus prêtre. Et tu n'es plus mon frère. Rends cet enfant à ses vrais parents. J'aurai de nouveau 15 ans dans un peu plus de 5 ans.